Mesdames, Messieurs, chers amis de la filière communication de la ACC de l'Union des marques, bonjour à vous tous. J'étais contente du discours du ministre. Pas mal. C'est quand même pas évident, mais ça raconte un peu tout ce qu'on vit aujourd'hui et probablement qu'il faut travailler sur toutes ces thématiques et ces thématiques de sens qui sont si importantes. Alors, je voulais d'abord, avant de vous parler, remercier Laurent et toute la ACC. Je sais que vous travaillez comme des fous pour faire, c'est du temps bénévole de ces gens qui ne sont pas du tout occupés dans leur vie et qui, pour la deuxième fois, ont organisé ce bel événement, le pouvoir des marques. Ils l'ont placé sous le signe de l'innovation, c'est-à-dire notre capacité de changer de l'intérieur et de nous renouveler. Et ça, c'est extrêmement puissant et important, et parce qu'il s'agit de notre futur. Et évidemment, je suis extrêmement sensible à l'Union des marques. Vous avez changé de nom, je crois que vous avez raison. Qui est là, et c'est avec vous qu'on doit travailler pour changer les choses et pour changer tout cela. Donc, normalement, je devais vous parler de l'innovation. Je ne vais pas vous parler de l'innovation. Parce que vous allez en parler très, très bien. Et l'innovation, c'est probablement un des lieux où le sens est extrêmement important. Les Français sont connus pour inventer beaucoup de choses. Les Américains sont connus pour les récupérer et les rendre à usage mondial. Donc peut-être qu'on peut faire l'autre moitié du chemin, arrêter d'inventer simplement d'un côté, sans inventer de l'autre, c'est-à-dire en rendant les choses que nos ingénieurs, nos brillants polytechniciens mettent en place pour en faire des objets qui soient utiles aux gens. Et c'est dans cette fonction d'ailleurs qu'est notre métier. Finalement, rendre les choses utiles aux gens. Alors, si je ne vais pas vous parler de l'innovation, je vais vous parler de quoi ? Ce n'est pas très sympa ce que je vais vous raconter, mais franchement, les agences sont assez fatiguées et je voulais vous en parler. Je suis assez inquiète de l'état de nos agences, des entreprises de communication. Ces entreprises dont le ministre vient de dire qu'on en a réellement besoin. Quand on passe du temps à la filière, les agences de communication, les agences de publicité, les agences de médias, les agences RP ne sont pas en très grande forme. Il faut vous le dire. Et vous le dire à vous, puisque vous êtes si important pour nous, nos annonceurs, qui font qu'on existe. Sans vous, on ne sait pas très bien comment faire. Et elles sont en petite forme, tout simplement parce que la profitabilité de nos entreprises n'a cessé de diminuer depuis 2007. Elle passe de 8% en 2007 à 3% en 2015. Il se passe quelque chose. À force de ne pas reconnaître pleinement l'apport de nos métiers, reconnaître ou même connaître, je suggère un stage dans les agences à tous nos annonceurs. Je promets de faire un stage chez eux. À force de ne pas reconnaître pleinement l'apport de nos métiers, on va les ruiner, car on arrive à des aberrations chaque jour plus délétères. Il devient possible de demander à des agences en compétition une campagne mondiale pour une très grande marque en 2 semaines ouvrables, quand il a fallu plus d'un an à des consultants pour accoucher d'une plateforme de marque sur un PowerPoint. Et comme la vie, ce n'est pas du PowerPoint, 2 semaines, c'est dur pour les agences. Il devient possible de prendre sa stratégie à une agence, c'est quoi une stratégie d'agence, et de la donner en brief à ses concurrents, sans même lui avoir parlé de la compétition en cours. Il devient possible de faire concourir des agences via un grand consultant, pour rien, car au bout de la compétition, il n'y aura pas de marché. La compétition sera déclarée nulle et non avenue et rééditée le mois suivant par d'autres. Il devient possible de remettre en cause 10 ans de collaboration alors qu'on est très content de son agence juste pour voir si par hasard on ne pourrait pas grappiller quelques pourcents sur sa prestation. Il devient possible de lancer des compétitions
sans suivre aucune des règles données par la ACC et par l'Union des marques, sans dédommager aucunement les participants, il devient possible de céder des droits du monde pour toujours sur tout type de canaux, ce qui n'est pas légal, mais exigé de la part de certains annonceurs et de leurs services achats. Tout devient possible. Yes, we can. Eh bien, aujourd'hui, je proteste. No, we can't. On ne peut pas. On ne peut plus. On ne peut pas tout accepter. On ne peut pas brader la recherche des idées. On ne peut pas brader la conception des campagnes. On ne peut pas brader leur réalisation. On ne peut pas brader l'articulation des médias. On ne peut pas brader tout cela. Un métier va disparaître. Je parie qu'il vous manquera. Peut-être des créatifs en costume trois pièces viendront vous proposer, mesdames et messieurs les annonceurs, de mauvaises idées facturées très cher. Vous connaissez déjà leur prix. Les agences ont présenté presque 30% de campagnes en moins sur la croisette cette année. On ne sait pas ce qui a été présenté d'autre, mais ce n'était pas les campagnes. Vous, les marques, vous avez beaucoup à y perdre, car vous devez beaucoup aux jeunes garçons en Bermuda et tongs, aux filles insolentes et rebelles qui peuplent nos agences, capables de passer des jours et des nuits sur un script ou un design, et à ces lieux où règne encore une liberté, une impertinence. Dans nos agences, il y a deux choses irremplaçables. De la connaissance d'abord, en sciences humaines, l'analyse et la compréhension de là où vont les gens, le décryptage de ce qui anime la rue, de ce qui fait bouger le monde. Les datas ne sont passionnantes que lorsque l'intelligence de l'analyse et la force de l'intuition humaine les traversent. Deuxièmement, une capacité rare à trouver du sens et des idées. Et ce n'est pas facile, et c'est difficile, et on a besoin de vous pour ça. Là, il faut du talent, et donc il faut du respect. Aujourd'hui, pour résister à tout ce qui va écraser l'idée, les agences ont besoin de respect et d'argent. Mesdames et messieurs les annonceurs, ce savoir-faire, respectez-le, payez-le à sa juste valeur. La France est un très mauvais élève sur la rémunération des agences. Les Américains et les Anglais savent bien mieux payer leurs agences. Comment le coût d'un consulting de 6 mois d'une agence américaine pour une marque mondiale, une plateforme de marque, peut-il valoir 6 fois ce que facture une agence française pour la même marque ? Est-ce qu'on travaille moins ? Est-ce qu'on est moins brillant ? Ce n'est certainement pas le chiffre de nos départs de l'agence chez nous pour les États-Unis. On embauche beaucoup, beaucoup de Français dans les agences américaines. Alors, tout, ce n'est pas non plus le niveau des planeurs stratégiques qui est en cause, mais c'est la non-reconnaissance du talent. L'effet de levier entre une mauvaise pub et une bonne pub, pourtant, beaucoup d'autres d'entre vous l'ont expérimenté. On multiplie parfois jusqu'à 12 les résultats. Les médias, c'est clé. Mais si vous appuyez sur une mauvaise idée, ça n'amène pas de résultats. Si l'idée n'est pas bonne, vous pouvez y mettre l'argent que vous voulez. Ça ne marche pas. Cela s'appelle le pouvoir de l'idée. Alors, tout bien réfléchi, ça vaut peut-être la peine de bien payer une bonne agence dont le métier est de faire de la bonne pub. Depuis 2007, pendant que la charge de travail augmente, nos coûts progressent davantage et la rémunération baisse, dégradant la profitabilité de notre profession. À tel point qu'aujourd'hui, les agences peinent à investir sur les talents et à recruter les niveaux stratégiques et créatifs requis. Comment accepter qu'un jeune diplômé de grande école soit beaucoup moins payé quand il va dans la pub que dans un cabinet de conseil ? Qu'est-ce que je leur raconte à ces jeunes ? Que notre métier est important ou que c'est pas, on est moins payé parce que c'est moins important. C'est moins important de trouver les idées, c'est moins important de créer des produits qui expriment ces idées. Comment continuer à attirer les meilleurs ? Au jeu de la dégradation de la rémunération et de la qualité, les marques seront plus mal servies.
elles n'y ont aucun intérêt. On avait coutume de dire, quand j'ai commencé dans mon métier, on a l'agence qu'on mérite. Cela me paraît de plus en plus vrai. Vos marques et nos agences ont aussi besoin, j'ose vous le dire, que vos équipes soient meilleures et de ne pas être sans cesse seules à être remis en cause, harcelées par des marketeurs qui n'ont ni expérience, ni connaissance réelle de nos métiers, ni d'ailleurs connaissance réelle de vos chiffres. Nous avons besoin de votre talent, pas de petits jeunes paumés. Nous avons besoin du talent des annonceurs. La pression, l'accélération malmène les gens, à la fois dans vos agences et chez vous. Nous avons besoin ensemble de calmer le jeu, de relever le niveau de professionnalisme et que des plus petites aux plus grandes agences, nos entreprises gagnent correctement leur vie. C'est vital des deux côtés, agences et annonceurs, pour conserver de l'intelligence et du talent dans nos métiers. C'est vital pour vos marques, car seules les idées fortes, puissantes, créatives peuvent les aider à exister dans un monde de plus en plus complexe. Je compte évidemment beaucoup sur vous. Je compte sur l'Union des marques, je compte bien sûr sur la SCC et je compte ardemment sur tous ceux qui travaillent à la filière pour faire que tout ça, on le modifie rapidement et on construise des marques chaque fois plus solides. Merci de m'avoir écouté. Thank you.